Donc on va avoir toutes les couleurs de l'album. Thierry Nouveau est illustrateur de bande dessinée. Depuis 5 ans, il intervient un peu partout en France pour faire découvrir son métier aux enfants. Des enfants ici, de CM1, parfois impressionnés de rencontrer un professionnel de la BD. La fameuse couverture, elle est sortie d'une machine aussi comme ça. J'ai jamais vu un illustrateur de BD et je suis contente d'en voir un parce que ça ferait au moins la première chose que je vois avec mes yeux. On aura ça avec le carton. Comment fabrique-t-on une bande dessinée? Comment créer un personnage? C'est donc au tour des élèves de l'école privée de Soulan de découvrir ce métier avec ses étapes de création. Je savais un petit peu tous les métiers, mais pas tout, pour faire une bande dessinée. Et puis, place à l'initiation avec, pour commencer, un personnage à dessiner. On démarre alors avec la tête qui prend ici la forme d'un œuf. On rajoute des petits yeux, les cheveux, les oreilles. Et d'ici de là, on va arriver à un dessin d'un personnage complet. Et ensuite, on reprend la petite boucle là. Tombé dans la bande dessinée quand il était petit, l'univers de Thierry Nouveau amuse beaucoup les enfants. J'essaie de trouver des scénarios vraiment qui vont les faire rigoler. Donc du coup, les personnages qui se prennent souvent des baffes qui tombent, des étoiles, des dents qui partent, les yeux qui sautent, ça je le fais vraiment pour le plaisir des enfants. Ils se sont bien amusés et bien appliqués. Et puis, c'est une première pour eux. Ils ont tous réalisé, et plutôt avec succès, leur première planche de bande dessinée.